Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Ce mardi 16 juillet, Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, a été accueilli en grande pompe par ses nouveaux supporters au stade Santiago Bernabéu. Devant une foule en délire, le prodige français a prononcé un discours émouvant en espagnol, parvenant même à faire pleurer sa maman, Faiza Lamari. L'Euro 2024 a été un tournoi tumultueux pour l'équipe de France. Malgré quelques performances en demi-teinte et une blessure significative dans l'équipe, les Bleus ont réussi à atteindre les demi-finales. Leur parcours s'est arrêté face à une Espagne redoutable le 9 juillet, malgré un superbe but de Randal Kolo Muani. Kylian Mbappé, bien qu'il n'ait pas brillé lors de ce match, semblait déjà tourner son attention vers de nouveaux horizons. À peine l'Euro terminé, il s'est envolé pour Madrid, où son transfert tant attendu au Real Madrid a été officialisé. C'est un transfert que Mbappé attendait avec impatience, et l'excitation était palpable des deux côtés. Le stade Santiago Bernabéu était en ébullition pour accueillir la nouvelle recrue. Lors de la cérémonie de présentation, Mbappé, visiblement ému, a exprimé sa joie dans un espagnol presque parfait, « C'est incroyable d'être ici. J'ai rêvé de jouer au Real Madrid pendant des années. Ce rêve est exaucé aujourd'hui, je suis un petit garçon heureux. » Il a également partagé un moment de tendresse en mentionnant sa famille. « On a réussi, je suis un joueur du Real Madrid. Je vois ma famille heureuse, ma maman qui pleure. » Les images de Faiza Lamari, en larmes, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, témoignant de la fierté et de l'émotion partagée par toute la famille. Le discours de Mbappé s'est conclu par un vibrant « Uno, dos, tres ». À la Madrid, sous les acclamations de la foule, marquant le début de ce nouveau chapitre dans sa carrière. Avec l'appui de ses supporters et des figures emblématiques comme Zinedine Zidane, présent pour l'occasion, Mbappé semble prêt à s'illustrer et à écrire une nouvelle page de gloire avec le Real Madrid.